Alors, Donc je vais vous présenter mon projet qui correspond donc à une flexi-classe. Pourquoi la flexi-classe? Il y a quelques temps, donc en 2019, j'ai eu envie de changer ma vision des choses au niveau de l'enseignement. J'ai fait des recherches et je me suis aussi posé beaucoup de questions par rapport aux élèves qu'on pouvait rencontrer. Alors, tout d'abord, j'ai fait le choix de la troisième prépa métier chez nous parce que essentiellement, nous rencontrons un public qui est extrêmement fragile, avec des phobies scolaires, du décrochage et beaucoup de 10. Je me suis dit un tel dispositif était forcément adapté pour eux. Je me suis posé d'abord des questions en amont sur pourquoi les élèves n'étaient-ils pas concentrés lorsqu'on avait des cours. Je me suis aussi posé des questions pourquoi nos élèves n'arrivaient pas à rester en place pendant 1 heure. Et je me suis aussi demandé pourquoi les élèves, pardon, n'arrivent-ils pas à se mettre au travail seuls. Après ces constats, j'ai essayé effectivement de trouver des solutions à travers cette flexi-classe. Sur les problèmes de concentration, étant moi aussi quelqu'un d'hyperactif, ne pouvant pas rester 15 minutes assise à un bureau, derrière un bureau avec une chaise, je me suis dit, mais pourquoi à ce moment-là ne pas adapter le mobilier à tes élèves, c'est-à-dire leur donner la possibilité de pouvoir se mouvoir et travailler dans la position dans laquelle ils se sentent le plus confortablement installés, c'est-à-dire que des fois, j'ai des élèves qui sont assis par terre, ou qui sont en train de lire et qui sont même des fois allongés par terre. Et cela ne me pose vraiment aucun problème du moment que le travail est fait. Je vous montrerai après le type de mobilier que j'ai au niveau de mes classes. Ensuite, je me suis posé la question sur le problème de l'autonomie et de la méthodologie. Alors, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ce qui se passe au niveau du confinement, parce que du coup, on a réussi à avoir des élèves qui étaient un petit peu plus autonomes dans la façon de travailler tout seul aussi à la maison en distanciel. Pour ça, je me suis mise à travailler sur le plan de travail, du point de vue de la vision de M. Corniak et de Freinet, pour savoir qu'est-ce que je pouvais mettre en place avec eux pour vraiment développer l'autonomie avec des outils numériques classiques, mais aussi avec la version papier en classe. Et quelque chose qui est fondamental, surtout aujourd'hui, c'est la gestion des émotions. Je me suis vraiment rendu compte qu'on avait un problème avec ça au niveau des salles de classe, surtout en lycée professionnel, puisque moi j'ai des sections professionnelles. On a des élèves qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, donc c'est pour ça que je me suis intéressée à ça. J'ai créé un petit coin de retour au calme, hein, mais j'ai aussi travaillé sur tout ce qui était méditation et respiration pleine conscience. Voilà le mobilier que j'ai au niveau de la classe. Alors, je n'ai pas fait un plan global parce qu'en fait, grâce à Madame Torchon, mon chef d'établissement, je vais pouvoir déménager et je vais passer de 89 mètres carrés à 80 mètres carrés, mais je vous montrerai tout à l'heure les plans de la future salle. Au niveau du choix du mobilier, moi, j'ai choisi les manches debout, avec des chaises hautes. Soit les élèves ont la possibilité d'être debout et de travailler debout ou d'être assis sur les chaises hautes. J'ai des ballons de yoga. J'ai aussi des culbutos. Et je ne sais pas si vous voyez sur la photo que les culbutos, j'ai mis des chambres à air pour lesquelles les élèves peuvent poser leurs jambes et donc être en mouvement au niveau de leurs jambes. Et cette année, j'ai pu aussi investir sur des pédaliers avec les chaises à roulettes pour que l'élève, voilà, puisse bouger en travaillant tranquillement sur la version au-dessus de la tablette. On voit aussi également des jeux parce que la ludification des pratiques pédagogiques est indispensable aujourd'hui pour le bien-être de nos élèves. J'ai acheté des petits fidgets, je ne sais pas si on les voit, il y a des balles anti-stress, des petits jeux de memory, des Rubik's Cube, etc. Avec le Covid, c'est un peu compliqué parce que du coup, on ne peut pas leur prêter. Mais quand j'ai fait le test en 2019, ça fonctionnait plutôt bien. Il y a des quiz aussi parce qu'on joue à réviser sous forme de quiz style télé avec des buzzers. Et puis des petits jeux comme ça alors c'est qu'une boîte d'œufs, pardon, excusez-moi. N'empêche que voilà, c'est une construction de l'esprit, savoir se concentrer en début d'heure. Si je vois que les élèves arrivent un petit peu déconcentrés, on prend des petits jeux de memory, on prend ce jeu-là et dans 5 minutes, on est concentré et prêt à travailler. Voici les plans de notre future salle de classe flexible. 80 mètres carrés de joie et de plaisir à travailler. Vous voyez qu'il n'y a pas de bureau prof parce que je n'ai pas de bureau. Je m'installe avec mes élèves quand j'ai besoin de me poser et de travailler pendant qu'ils sont en activité. Je n'ai pas fait cette zone sacro-saint sanctuaire du bureau du prof. Je suis parmi mes élèves. Vous voyez qu'on a le coin d'isolement qui se trouve ici. Voilà, le coin de retour au calme avec un paravent. L'élève, il a la possibilité d'avoir une revue, d'avoir un Rubik's Cube. Voilà, le but du jeu, c'est qu'il arrive à d'un papier pour pouvoir écrire ses émotions et les jeter quand il sort derrière le paravent. On a le coin lecture. Quand l'élève, il a fini son exercice ou pas, il peut aller au fond de la classe et prendre un livre.
Sachant que cette salle flexible, elle est uniquement pour nos troisièmes prépa métiers. Donc, tous les collègues sont vraiment rassemblés autour du projet et on a tous une pédagogie commune qui fonctionne au niveau de la salle flexible. Donc, les ordinateurs et les tablettes pour pouvoir travailler en interactivité, mais ça, je vais vous en parler après. Et puis, donc, voilà, le travail, soit en solo, soit en groupe, en fonction des activités qu'on propose. Donc, c'est bien beau, comme disait Monsieur Janin tout à l'heure, c'est bien beau d'avoir des chaises à roulettes, mais si on n'adapte pas sa pédagogie, ça ne peut pas fonctionner. Donc, cette année, j'ai vraiment mis l'accent sur la gestion du plan de travail en maths. Donc, voilà, donc là, c'est vraiment un exemple de positionnement d'élèves en classe. Donc, le plan de travail, l'élève, il a le plan de travail qui affiche au tableau, avec tous les objectifs, toutes les compétences qu'il doit acquérir à la fin de la séquence. Donc ça peut être 15 jours, 3 semaines, une semaine, mais au bout du temps, il doit être obligé d'avoir terminé donc son travail. Pour ça, il a donc des parcours et des activités au choix. Il est complètement autonome dans le choix de commencer par telle ou telle activité. Le but du jeu, c'est vraiment à la fin, il est tout terminé avec le parcours choisi. On est vraiment dans la différenciation pédagogiste. C'est-à-dire que voilà, on adapte l'enseignement en fonction des besoins et des caractéristiques des élèves. Le but du jeu, c'est vraiment de développer leur plein potentiel sur ce type d'activité. Donc, pour ça aussi, quand on a fait un cours et qu'ils ont réalisé donc, ce qui est important à retenir, on travaille sur différents types d'outils. Donc, moi, je travaille beaucoup avec la carte mentale, avec les fiches de mémorisation active, les flashcards, des quiz comme Kahoot, des supports vidéo et auditifs et des porte-clés type mémorisation. Donc, ça, c'est pour moi ma partie mathématique. Il y a d'autres collègues qui utilisent d'autres outils, mais voilà, en tout cas, dans la FlexiClass, pour moi, en maths, j'utilise ça. Voilà, donc merci pour votre attention. Sachant aussi que pour tout ce qui est numérique, cette année, j'ai la chance d'avoir une administration en or qui me suit dans toutes mes expérimentations. Ça, j'ai beaucoup de chance. Et on va créer une salle informatique flexible. Alors, flexible pour qu'en fait, on aura différents outils qui nous permettront donc de travailler au niveau du plan de travail. Donc, on aura des ordis portables. Alors, on aura mes culbutos pour le côté flexible du mobilier. Et on aura aussi des petites caméras, donc des visionneuses qui nous permettront donc de faire des capsules vidéo d'élèves, donc pour qu'ils puissent faire leur carte mentale auditive ou visuelle en fonction de leur choix. Et surtout aussi, les habituer à se filmer et intervenir à l'oral.